Il y a 1000 ans, au milieu d'une Europe presque déserte, famélique, écrasée par la brutalité des gens de guerre. Quelques trésors merveilleux, ça et là, où s'accumule ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, de plus rutilant, de plus fascinant. Étonnant contraste entre la pauvreté, la sauvagerie commune et la perfection splendide d'un art qui est royal, impérial. En effet, au nord de l'Europe, en Germanie, sur les bords de la Seine, à Winchester, les maîtres de ces trésors, ce sont les rois. Des rois qui se disent les héritiers de Charlemagne et par conséquent des empereurs romains. C'est pourquoi l'art du Nord apparaît comme une renaissance, ou plutôt ce qui revit de la tradition antique, classique, volonté de classicisme. Elle prend racine dans la chapelle d'Aix, bâtie sur le modèle des églises rondes de Rome et de Jérusalem, pour le face-à-face du trône impérial et de l'autel. Cette volonté de classicisme rejaillit sur les figures d'or de l'autel de la cathédrale de Bâle, sur les pages des livres peints pour l'empereur Henri II. Et cette volonté s'affirme sur les portes de bronze de Hildesheim. Et là, en pleine barbarie, on peut voir les germes de toutes les renaissances humanistes qui dès lors vont se succéder. Au nord de l'Europe, mais le sud. Dès qu'on a passé la Loire, dès qu'on a passé les Alpes, on entre dans une autre province de la culture. Ici, les rois sont aussi lointains, aussi peu visibles que les dieux. Et on les nomme encore, on prononce leur nom dans les liturgies, mais on ne les voit plus. Et la royauté est devenue une idée, un mythe, un souvenir d'ordre, de paix et de justice. Mais la réalité, c'est l'exubérance féodale où la royauté s'est complètement désagrégée. Si bien que le rôle que les cours royales vacillantes tiennent encore au nord de l'Europe dans la création artistique, ce rôle maintenant au sud, ce sont les monastères qui le remplissent, et spécialement dans le nord-est de l'Espagne. En Espagne, pas de frontière entre les chrétiens et les musulmans. Des affrontements militaires permanents, des alternances de succès et de revers. Tantôt, ce sont les escadrons de l'islam qui foncent sur Barcelone jusqu'aux Pyrénées, tantôt, au contraire, ce sont les guerriers du Christ qui galopent jusqu'à Cordoue, qui forcent les portes de Cordoue. Mais de vraies barrières, jamais,
et des échanges toujours. Il existe comme une chaîne de communautés chrétiennes qui relie les monastères de Catalogne, Cardona, Saint-Père de Roda, au très vieux, au très vivace foyer de la chrétienté orientale. Et sans cette communication, sans cette conjonction, on ne comprendrait pas les innovations architecturales dont les églises des Pyrénées furent le lieu au début du XIe siècle. Et on ne s'expliquerait pas surtout cet accent puissant qui marque à Gérone, en pleine Catalogne, les peintures ornant ce manuscrit du commentaire de l'Apocalypse. Reis glorios vera illum seclara. L'Apocalypse, une écriture, une parole. Dans la mesure où les moines accomplissent un travail matériel, c'est cela. Transcrire la parole de Dieu sur le parchemin, lettre après lettre. Ce sont les serviteurs de la parole, les serviteurs d'un roi, du roi des rois, et comme les domestiques des cours royales, ils s'empressent à glorifier leur Seigneur. Ce Seigneur dont la présence en ce monde se révèle d'abord par des mots. Des mots qui sont la clé de l'autre monde, des mots de passe, mystérieux. Écrire ces mots et puis les orner. Et l'image est là, somptueuse, pour donner de cette parole une équivalence visuelle. Comme les cours des rois du Nord, mais beaucoup plus efficacement, les monastères du Sud sont alors les grands ateliers. Leur tâche, donner à voir l'invisible. Les moines sont vénérés parce qu'ils sont plus purs. Et ils sont plus purs parce qu'ils se sont retirés du monde. Le monastère, le château, les moines, les chevaliers, la prière, la rapine, le bien, le mal, le ciel, l'enfer. Construction d'un côté, destruction de l'autre, le monastère et le château, l'un et l'autre, en position dominante, au-dessus du peuple paysan courbé. Le peuple paysan, d'où vient cependant toute la richesse et qui nourrit le monastère de ses offrandes, parce que les paysans ont peur de la nuit, du jugement, et parce qu'ils pensent que les monastères nécessairement doivent être splendides, dressés comme des assises d'espérance. Le XIe siècle a choyé ces monastères. Les moines ont gouverné le grand art. Les grands foyers de l'art nouveau, ce sont les monastères. Des refuges. Et pour cela, souvent juchés au sommet des monts. La montagne est symbole d'éloignement, symbole d'ascension.
monastère citadelle du bien, et face au château, eux aussi perchés. Autre citadelle, ambiguë, à la fois protectrice, agressive. Cerné de solitude, le monastère est entouré des champs qui le nourrissent, quelques dizaines, parfois plusieurs centaines d'hommes, tous sortis de l'aristocratie et rassemblés dans une famille. Le monastère, c'est une grande maison de famille, mais dont il ne reste aujourd'hui à peu près rien, sinon la cour centrale, des arcades ouverte sur le ciel, ménagée pour la rumination de la parole, le cloître. Et reste debout, après plus de 1000 ans, presque toujours l'église. Bâtir l'église solide, un roc, cette pierre contre laquelle Satan ne doit pas prévaloir, afin que l'office puisse se dérouler dans sa pleine magnificence, mais surtout pour que le monument exprime l'invisible. L'édifice révèle le mystère, et déjà par sa position dans l'espace. L'église est toujours orientée, tournée vers l'Orient, vers cette lumière qui, chaque matin, parle de la victoire du bien sur le mal. L'Église parle aussi par sa structure. Et c'est pour ça que les constructeurs de l'Europe du Sud ont voulu qu'elle soit tout entière en pierre pour exprimer l'unité de substance qui est celle de Dieu. Le christianisme du XIe siècle est pour une bonne part une religion de la mort. Et c'était l'une des fonctions principales du monastère que d'opérer la communication, la communion entre les vivants et les morts, entre l'espace de la vie et ce séjour des morts qu'est la crypte. Et les expériences architecturales tâtonnantes sont parties de là. Remplacer la colonne par le pilier, la charpente par les voûtes, et peu à peu, plus audacieux, le voûtement s'est développé, s'est épanoui comme une fleur. La lente émergence de l'art roman, dont la voûte constitue l'élément majeur, voyons-la comme une germination. La voûte sort peu à peu de terre et elle est enfin transportée dans l'église haute. Dans l'église haute, les moines remplissent ce qui est leur fonction spécifique. Ils prient. Ils prient pour le peuple tout entier. Prier, c'est-à-dire chanter. L'âge roman ne connaît pas la prière personnelle et muette. Sa prière est collective, unanime. À voix haute, à plein poumon, 8 heures par jour, un travail exténuant. Cette louange monte depuis l'autel, la pierre du sacrifice. Kyrie.
Liturgie qui se déploie comme une danse très lente dans tout l'espace intérieur, tout au long de la nef qui s'allonge précisément pour ménager le champ d'une déambulation processionnelle, une ronde majestueuse autour de l'autel, entre les pierres des murs, sous les pierres de la voûte. Les pierres, nous les aimons nues. Ceux qui les ajustèrent les ont voulu parées. Il fallait que le lieu du service fût orné. Devant l'autel, où l'image est montrée du Seigneur Dieu qui préside, seul assis, entouré de sa cour, au déroulement de la cérémonie, tous ces tissus que l'on tendait aux fêtes majeures, historiés, racontant le monde. Racontant des histoires, et d'abord l'histoire terrestre de Jésus, crucifié, et pourtant souverain dans sa crucifixion même, non pas mort, les yeux ouverts, non pas nu, en vêtements royaux, embrassant dans son grand geste l'univers. Cœur de l'abside, Jésus ressuscité, trônant, impérial, éternellement. Et tel qu'il apparaîtra lorsque le voile sera déchiré, lorsque le ciel s'ouvrira, et que tout entière l'humanité, au terme de sa marche, sortira du temps. C'est cela le sens de l'office monastique. Le monastère est un point intermédiaire entre la terre et le ciel, entre le temps et l'éternité. Quelques hommes délégués par le peuple pour qu'il gagne pour lui le salut, pour qu'il capte le pardon divin et qu'il le répande autour d'eux sur toute la contrée. L'église du monastère est d'abord fonctionnelle, mais elle est aussi symbolique, elle enseigne. Le monument exprime l'ordre du monde, l'ordre de Dieu,
par des rapports arithmétiques, par des harmonies fondamentales semblables à celles de la musique, c'est-à-dire de la prière. Ce ne sont pas les moines qui ont bâti les églises du XIe siècle, ce sont des ouvriers, des salariés. C'est peut-être sur ces chantiers que se sont formées les premières associations de métiers. Mais les églises du XIe siècle ont toutes été conçues par des hommes d'église, par des savants, par des initiés. Et pour eux, les notions de la connaissance parfaite se trouvaient dans les nombres. Et la plus haute des sciences humaines, c'était la mathématique, étroitement liée à la musique et à l'architecture. Une église romane, c'est une équation, et c'est en même temps une fugue. Des chiffres associés, chargés chacun d'un sens mystérieux. Un évoque Dieu l'unique, deux le Christ en qui s'unissent les deux natures, trois la Trinité. Le sens du chiffre 4 est très riche, c'est le nombre de l'univers créé, les quatre points cardinaux, les quatre vents, les quatre fleuves du paradis, les quatre éléments de la matière. Mais ce nombre renvoie aussi à la parole, à la morale, les quatre évangélistes, les quatre vertus cardinales. Tout un enseignement secret, accessible aux seuls initiés, inscrit dans l'édifice. Comme est inscrit au carré du transept, le signe même du passage, de la fonction intermédiaire de la prière des moines. En ce point, le regard passe, en s'élevant, du carré au cercle, c'est-à-dire à l'image à la fois du temps et de l'éternité. Image centrale de sublimation, de transfiguration. Du carré au cercle, le passage, l'ouverture vers le paradis attendu, espéré. Le retour au paradis perdu. Et c'est précisément le paradis à Gérone sur la tapisserie qui est montré. Le Seigneur Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna les noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Du firmament, tu abreuves les montagnes. La terre se rassasie du fruit de ton ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des humains pour qu'ils tirent le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, pour que l'huile fasse luire les visages. Thank you.
faisant monter les nuages du bout de la terre. Il produit avec les éclairs la pluie. Il tire le vent de ses trésors. La cohérence du monde. Un monde auquel préside, installé au centre du cercle, un Christ jeune, imberbe, serein. Le monde avant la faute, avant le péché. La paix. Parce que c'est ça l'obsession, la grande interrogation à quoi l'art, comme la prière, cherche réponse. Pourquoi le mal? Présence du mal. Le monde est pourri. Les plantes en réalité sont vénéneuses, les animaux en réalité sont méchants, les hommes inquiets, frénétiques, pervers, cruels. Voici l'autre enseignement de l'art monastique. Les saints de Dieu, ces saints qui reposent dans les sarcophages de la crypte. Ils ont été, lorsqu'ils étaient vivants, la proie du mal. On les a, eux aussi, torturés. On leur a crevé les yeux. On les a bouillis, sciés en deux, mis en pièces, dans le monde. Mais aujourd'hui, ils sont hors du monde, délivrés. Ils vivent dans la gloire. Il règne. Il règne aux côtés de la puissance invisible dont la main bénissante surplombe le désordre. Christ farouche, porteur du glaive de victoire, Christ, chef de bande aussi terrible que le plus terrible des chevaliers, foudroyant, piétinant les souverains de la terre, abaissant les orgueilleux, exaltant les plus humbles. Et de ce souverain, le monastère est le palais. Et c'est pour cette raison qu'il doit être superbe. Et c'est pour cette raison que tous, les guerriers comme les paysans, donnent ce qu'ils ont aux moines à l'heure de la mort. Le palais, l'antichambre du paradis, où l'on attend que la porte s'ouvre, où l'on frappe, où l'on crie pour qu'elle s'ouvre plus vite, pour qu'il en soit fini du mal et des misères, pour que la lumière enfin déferle. Le monastère, lieu d'attente, attente de la fin du monde, du jour de colère, d'éblouissement et de justice, ce jour terrible dont parle l'Apocalypse. L'agneau brisa le premier sceau, et je vis un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, on lui donna une couronne et il partit en vainqueur. Quand il brisa le deuxième sceau, surgit un autre cheval rouge feu. À celui qui le montait, on ordonna de bannir la paix hors de la terre et de faire que les hommes s'entretuent. On lui donna une grande épée. Quand il brisa le troisième sceau, voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Quand il brisa le quatrième sceau, c'était un cheval blême. Celui qui le montait, on le nomme la mort. Tels m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lions crachant feu, fumée et soufre, et leur queue terminée en tête de serpent tue. Alors, le tiers des hommes fut exterminé par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre vomi de la bouche des chevaux. Sauterelles qui font penser à des chevaux équipés pour la guerre,
sur leur tête des couronnes d'or. Leurs faces rappellent des faces humaines, leurs cheveux des chevelures de femmes, leurs dents des dents de lion, leur thorax des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes, le vacarme des chars aux multiples chevaux se ruant au combat. Elles ont des queues pareilles à des scorpions avec des dards. Alors périt toute chair qui se meut sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait une haleine de vie dans les narines, tout ce qui vivait sur la terre ferme mourut. Un énorme dragon rouge-feu dont la queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. L'ange maîtrisa le dragon et l'enchaîna pour 1000 années. Voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, debout devant le trône et devant l'agneau, des palmes à la main. Les anges autour du trône et des quatre vivants se prosternèrent. Ils proclamaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » Quelques pécheurs ont dit non au monde, les moines. Et pour tous les autres, il existe un autre moyen de gagner l'amitié de Dieu, c'est de partir, le pèlerinage. Le pèlerinage était pénitence, instrument de rachat. Le pèlerinage était symbole, le pèlerin marchait vers la terre promise, mais le pèlerinage était aussi plaisir, voir du pays. C'est la distraction de ce monde gris lorsque l'on part à l'aventure en camarade, paysan ou chevalier. Et les chevaliers, lorsqu'ils partaient vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou vers Jérusalem, s'armaient et au passage, ils chassaient à l'occasion le musulman. C'est dans le pèlerinage qu'est née l'idée de la guerre sainte, c'est-à-dire de la croisade. Pascali laudes immolent Christiani agnus redemit hoves Christus innocens patri reconciliavit peccatores. Sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelico testes, sudarium et vestes, surexit Christus pes mera. Les chemins du pèlerinage divaguaient de monastère en monastère. Un monastère à chaque étape où l'on était reçu, nourri, bien nourri, mais où l'on était aussi enseigné. Cet enseignement porte sur le péché, sur le jugement. Et l'essentiel en est passé dans la grande imagerie sculptée que les moines dressèrent dans les premières années du XIIe siècle, au seuil de leur basilique. La gloire de l'Éternel, à lui seul la puissance, le droit de punir, le droit de séparer, de distribuer par ce grand geste du tympan de conque, la diagonale inexorable. La main droite levée vers les élus, la gauche abaissée, punissante. Un partage définitif entre ce qui est encore
dans le monde inextricablement mêlé, le bien et le mal. Droite du Christ, la demeure, la paix, les rythmes harmonieux de l'architecture. Côté le tumulte, tous les désordres charnels, tout ce qui est vicieux, tourmenté, un tri, un crible qui laisse pénétrer ce qui est pur et qui retient à l'extérieur la souillure et toutes les misères des hommes. Voilà précisément ce que le monastère veut être et ce que l'art monastique, ce que l'architecture monastique entend montrer. Passé la porte, franchi le seuil, préfiguration de cet autre franchissement qui s'accomplira à la fin du monde, le pèlerin entre dans l'univers de la paix, de l'ordre. Passé la porte, franchi le seuil, le pèlerin entre dans l'univers de la paix et de l'ordre. Ébloui, il a laissé derrière lui la laideur, la souffrance. L'Église tout entière lui parle. De manière subtile, moins rustique, moins vulgaire que les sculptures de la porte, mais elle l'appelle à s'élever. La
disposition même de l'édifice le conduit peu à peu vers cette merveille cachée, le reliquaire, l'habitacle du corps saint, de ce débris, de ce qui reste sur la terre, du personnage qui maintenant siège au tribunal de Dieu, qui est l'assesseur du grand juge, un ami qu'il faut gagner. Et c'est pour lui qu'on est venu là, pour lui qu'on s'est tellement fatigué, pour l'honorer, pour passer un moment avec lui dans sa maison. Aussi, le soir, dans ces tribunes hautes que l'architecte a disposées pour que la circulation des pèlerins ne trouble pas le déroulement des liturgies, le pèlerin vient chercher une petite place dans la foule pour dormir, pour passer la nuit, une incubation, dormir avec, attendre l'aurore dans la compagnie du saint, attendre le retour de la lumière, la délivrance, et qui sait, l'aube peut-être sera celle du dernier jour, celle du grand passage, dans la sonnerie des trompettes. Témoignage d'un pèlerin du XIe siècle. Resté debout à la contempler, je formulais intérieurement cette prière. Sainte foi, toi dont la relique repose en cette statue, secours-moi au jour du jugement. Pendant que je priais, je pensais aussi qu'il était absurde que des êtres doués de raison vénèrent un objet muet et sans intelligence. C'était là vaine pensée qui ne jaillissait pas d'un cœur droit. On n'avait point avec cette statue les mêmes rapports que les anciens avec une idole. On ne lui sacrifiait point, on l'honorait seulement. M'en rendant mal compte, je l'avais méprisée comme si elle était Vénus ou Diane. Je l'avais traitée d'idole. Je me repentis amèrement par la suite de ma conduite stupide envers une sainte de Dieu. Le doyen de Conques, un homme probe et vénérable, me raconta l'aventure d'un clerc. Un jour, où l'on avait transporté la relique, cet homme avait arrêté la procession des pèlerins. Déblatérant contre la sainte martyre, il proférait je ne sais quelle ineptie sur son image. Mais la nuit suivante, il lui sembla qu'une dame lui apparaissait, revêtue d'une majesté terrifiante. « Eh bien, lui dit-elle, misérable, tu t'es permis de dénigrer mon image ?» Ayant dit, elle frappa notre ami de la baguette qu'elle tenait à la main. Aussi longtemps qu'il vécut, il raconta cette vision pour qu'elle parvint à la postérité. Il ne reste donc aucune possibilité de discuter si la statue de Sainte-Foy doit être ou non vénérée, puisqu'il est clair et net que ses détracteurs attaquent en fait la sainte martyre elle-même. Vénérée, Sainte-Foy le fut. Paris, tout entière recouverte de ce que cette société si pauvre, si démunie, possédait de plus rutilant. De très vieux bijoux, ces camées venus de l'Antiquité romaine et que des générations de seigneurs s'étaient successivement légués avant de les offrir. Et puis l'or, cet or que l'Occident agressif, conquérant, victorieux, allait maintenant prendre par le succès des armes ou par les commerces de la paix dans l'Espagne encore infidèle. Voici ce qui s'est construit pendant le XIe siècle parmi les clairières. Mais pendant tout le XIe siècle, ces clairières n'ont cessé de s'élargir. Les plaques de forêt, de solitude, qui recouvraient presque entièrement l'Europe de l'an 1000, se sont résorbées, elles se réduisent, et progressivement, les mouvements de la vie les pénètrent. Forcés de travailler toujours davantage par les exigences seigneuriales, les paysans produisent plus. Bien sûr, on leur prend presque tout, mais ils se nourrissent mieux, ils nourrissent mieux leurs enfants. Jadis, sur 5 ou 6 qui naissaient vivants, il en mourait 4 ou 5 avant la naissance. Maintenant, il n'en meurt plus que 3. Et ça suffit pour tout changer
et pour que le progrès se prolonge. Le grand art dont j'ai parlé est sorti de cette misère, de cette oppression. Il est sorti de la prosternation du peuple devant les puissances obscures qui jettent sur le monde l'épidémie, l'invasion, la famine, et qu'il faut se concilier par des offrandes au Dieu bon, au meilleur serviteur du Dieu bon, c'est-à-dire aux gardiens des reliques miraculeuses, c'est-à-dire aux moines. Des moines toujours plus riches, mais qui, eux aussi, se sentent tenus de donner, d'offrir. D'offrir quoi ? L'œuvre d'art. L'art monastique est un appel à la paix lancé d'un bout à l'autre de l'Europe par ces congrégations qui, peu à peu, rassemble les monastères autrefois isolés qui les agglomèrent dans des familles. Et à la fin du XIe siècle, surplombant toutes les congrégations monastiques, l'une souveraine, l'ordre de Cluny. Et l'abbé de Cluny, seul maître de cet immense empire, plus puissant que le pape, plus puissant que l'empereur germanique, c'est lui le véritable héritier de la puissance impériale. Et ainsi, la conjugaison de tous les efforts monastiques, cette mise en commun, fait que le développement se poursuit. Un développement parallèle à ce progrès très terre-à-terre, obstiné, que font toutes les petites victoires paysannes, mais un développement, lui, culturel, intellectuel, spirituel. Méditer dans le cloître sur l'écriture, sur les obscurités de l'écriture, découvrir peu à peu sous la face innommée de l'éternel dont parle l'Apocalypse un autre visage, et qui peu à peu devient plus fraternel, un visage d'homme, de cet homme Jésus dont les chapiteaux des cloîtres racontent l'histoire humaine, et s'apercevoir aussi dans le jardin du cloître, tandis que sur les lisières de la clairière, l'effort des défricheurs parvient à dominer la nature, à la contraindre à produire, que le monde n'est peut-être pas si pourri, la création pas si mauvaise, et le bonheur possible peut-être parmi les fleurs réconciliées.